Salut les yogis et soyez les bienvenus pour ce premier jour du défi chakra. Aujourd'hui, nous abordons, pour celles et ceux qui n'ont pas fait la méditation ce matin, eh bien nous commençons par le chakra le plus bas qui est Muladhara Chakra. Mula signifie en sanskrit racine. Il s'agit donc du chakra racine situé le plus bas dans le corps et qui est souvent associé à Mulabandha. Mulabandha qui est un verrou énergétique qui se trouve entre le périnée et l'anus. Pour celles et ceux qui s'intéressent aux bandhas, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à ma vidéo sur ce sujet. Vous verrez aussi des séances associées à ce thème sur le mini-site du défi. Muladhara Chakra est donc associé au bas de notre corps, notamment aux jambes, aux pieds, mais aussi à cette zone, donc entre le périnée et l'anus. Et au niveau psychologique, énergétique, Muladhara concerne nos besoins primaires. Notre besoin de sécurité, notre besoin d'avoir un toit sur la tête, d'avoir de quoi manger, donc en lien avec notre alimentation aussi. Et avec notre intégrité physique, notre intégrité psychologique, tout ce qui est vraiment besoins fondamentaux. On l'associe évidemment à l'ancrage, à l'enracinement. Et donc aujourd'hui, la séance de posture sera consacrée plutôt au bas du corps, mais aussi à nos sensations d'ancrage et à notre lien avec la terre. Pour cette séance de yoga, vous aurez besoin de deux briques, donc posez-les à côté de vous, elles pourront vous être utiles. Et pour commencer, je vais vous inviter à venir dans la posture de l'enfant, Balasana, à ramener vos fessiers sur les talons. Et n'oubliez pas évidemment que si votre front ne touche pas le sol ici, vous pouvez déjà prendre votre brique et venir poser votre front sur la brique. Pareil si vous n'avez pas les fessiers sur les talons. Vous pouvez relâcher les bras vers l'avant ou vers l'arrière, c'est vous qui voyez. Et je vais vous inviter à vous installer dans la respiration Ujjayi. Allongez vos inspirations et vos expirations. Et à sentir qu'à chaque expiration, vous vous relâchez un peu plus sur la terre, vous relâchez un peu plus le poids de votre corps sur la terre. Tout en restant avec la respiration Ujjayi, je vais vous inviter sur les expirations à activer la zone du corps entre le périnée et l'anus, donc à activer Mulabandha à chaque expiration. Et à l'inspiration, à relâcher cette zone. Sur les expirations, essayez de sentir la zone entre le périnée et l'anus, ce n'est pas forcément évident à sentir, mais l'idée c'est de porter votre attention sur ce point dans le corps, même si vous avez du mal à l'identifier et à l'activer, rappelez-vous que là où l'attention va, l'énergie va. On continue comme ça sur les inspirations. On relâche Mulabandha et sur les expirations, on active Mulabandha. Encore trois cycles comme ça. Thank you.
ma prochaine inspiration. Vous pourrez redresser le buste et vous pourrez croiser les tibias, allonger les jambes devant vous. Vous pouvez replier une de vos jambes devant vous et attraper l'autre pied. Donc c'est égal quel pied, on fera les deux. Et pendant un instant, portez votre attention sur ce pied et venir masser d'abord les orteils avec vos doigts. Faire des petits cercles sur la pulpe des orteils. Observez les sensations, éventuellement les petites tensions. Puis descendre un petit peu plus bas et faire des petits cercles avec vos pouces sur la plante du pied, ou simplement faire des pressions avec vos pouces et insister un peu plus sur les zones du pied où il y a peut-être des tensions. Et c'est fou les tensions qu'on peut avoir, les tensions insoupçonnées. Et il y en a souvent des petites tensions au niveau de la plante des pieds. Donc vous pouvez insister un peu plus sur ces zones de tension, notamment sur la ligne à l'intérieur de la voûte plantaire. Yes. Et relâchez votre pied, venir vous asseoir en tailleur un instant, fermer les yeux. Et observez la différence de sensation entre le pied qui a été massé et le pied qui n'a pas encore été massé. Et puis pour ouvrir les yeux, changer de pied, commencez par les orteils, prendre votre pied avec vos mains, faire des cercles sur la pulpe des orteils. Évidemment, si vous êtes masseur ou masseuse professionnelle, vous pouvez faire un massage un peu plus élaboré. Là, on fait vraiment quelque chose de très simple pour venir un petit peu réveiller les orteils, réveiller les pieds, créer un petit peu d'énergie dans cette zone du corps, soulager les tensions. Puis passer à la voûte plantaire, faire des cercles ou des pressions avec les pouces. Et insister un petit peu plus sur les zones où il y a des petites tensions. Yes. Vous pourrez revenir en tailleur, fermer les yeux, observer les sensations dans chaque pied, les éventuelles différences ou similitudes de sensations. Et doucement, vous pourrez ouvrir les yeux. On va allonger les jambes devant nous. On va placer les pieds à la largeur des hanches. Alors, si vous avez du mal à allonger vos jambes devant vous, c'est le moment de prendre une brique, de venir la placer sous vos fessiers. L'idée, ce n'est pas forcément d'avoir les jambes parfaitement tendues. Vous pouvez les garder fléchies si c'est mieux pour vous. On va travailler ici les chevilles. Vous pouvez placer vos mains sur vos cuisses ou sur vos genoux. Et on va commencer par faire des cercles avec les pieds. Petit cercle ou grand cercle. Vous pouvez commencer avec des cercles vers l'extérieur. C'est égal. Et
changer le sens du cercle. Ça craque peut-être un petit peu, c'est normal. Petit exercice mental, on va faire un cercle dans un sens et un cercle dans l'autre sens avec l'autre pied. Ha ha! ouais, c'est super dur en fait. Alors, si je pars comme ça, donc je... Ouh là là, je m'embrouille même moi. Bref, l'idée c'est surtout de venir échauffer les chevilles ici. On continue en ramenant le bord extérieur des pieds vers soi. Donc on fléchit les chevilles, on ramène les bords extérieurs des chevilles vers soi à l'inspiration. Et à l'expiration, on ramène le bord intérieur des chevilles vers soi. Donc inspire, on ouvre les pieds, les petits orteils vers soi. Et à l'expiration, on ramène plutôt les pouces, les gros orteils vers soi. Et c'est là qu'on constate qu'on a souvent des grandes différences de mobilité dans les chevilles. Je me suis beaucoup foulée la cheville droite et elle est beaucoup moins mobile que ma cheville gauche. Yes. Et on termine en fléchissant les pieds à l'inspiration, fléchis, 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 comme si on voulait pousser les talons contre un mur. Et à l'expiration, on pointe les pieds. Donc inspire, on fléchit. On en profite pour se grandir, pour allonger la colonne. Et à l'expiration, on pointe les pieds. Inspire, on fléchit. Expire, on pointe. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire et expire. On relâche, on croise les tibias, on place les mains au sol, on passe brièvement à quatre pattes pour venir en chien tête en bas. Donc on fléchit les chevilles, on ancre les orteils dans le sol. Et à l'inspiration, on vient en chien tête en bas. Vous pouvez fléchir alternativement genou droit, genou gauche pour étirer l'arrière des jambes. Ancrez bien le pouce et l'index dans le sol, relâchez la tête, ouvrez les épaules. Puis ramenez les talons vers ou sur le sol. Et je vais vous inviter ici à activer Mula Bandha à nouveau. Donc essayez de sentir à nouveau cette zone entre le périnée et l'anus que l'on va activer ici dans la posture du chien tête en bas. Vous pouvez fermer les yeux si ça peut vous aider à mieux sentir. Tout en revenant à la respiration Ujjayi. Et en même temps, essayez de bien vous connecter avec votre ancrage dans la terre. Sentez le contact des mains avec le tapis de yoga, contact des pieds avec le tapis de yoga. Sentez que vous êtes enraciné, ancré. Une dernière inspiration ici. Et doucement l'expiration, je vais vous inviter à venir marcher vers l'avant du tapis. À placer vos pieds à la largeur des hanches. À fléchir légèrement les genoux, à pousser avec vos pieds dans le sol. Et à l'inspiration, à dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Une fois debout, relâchez les bras le long du corps, paume de main ouverte. Et... je vais vous inviter à l'inspiration à lever les orteils vers le ciel et à essayer d'écarter le plus possible les orteils et à l'expiration à replacer vos orteils sur la terre. Une fois que vous êtes là, essayez de placer votre poids du corps au centre,
ni trop en avant, ni trop en arrière. N'hésitez pas à basculer légèrement le poids du corps pour voir là où votre ancrage est optimal. Sentez les trois points d'appui dans vos pieds, situés au niveau des talons, et des boules, les deux boules, l'une à l'arrière des gros orteils et l'autre à l'arrière des petits orteils. Vous sentez que ces trois points sont ancrés dans le sol. Lorsque vous activez les gros orteils, que vous activez les petits orteils, vous pouvez sentir que les voûtes plantaires s'activent vers le ciel, que vos pieds sont actifs. Puis placez votre attention sur la sensation d'ancrage. Pas la saucisse, non. La sensation d'ancrage, d'enracinement de vos pieds dans le sol, dans la terre. Vous êtes à la fois ancré et en même temps dressé vers le ciel, le cœur ouvert, la tête libre. Yes. Et doucement, vous pourrez ouvrir les yeux. Faire un grand cercle avec les bras pour joindre les paumes de main au-dessus de la tête à l'inspiration. Grandissez-vous, étirez-vous. Et à l'expiration, plongez en avant et ramenez le ventre vers les cuisses. Relâchez la tête. Et revenez placer votre attention dans vos pieds. Sentez à nouveau la sensation d'ancrage, les voûtes plantaires activées, les trois points des pieds bien ancrés de manière égale dans le sol, dans la terre. N'hésitez pas à fléchir les genoux si c'est plus confortable pour vous. On place les mains au sol et on vient marcher vers l'arrière en planche. On revient à notre ancrage, les mains dans le sol. On va rester ici quelques instants, donc n'hésitez pas à poser les genoux au sol si nécessaire, si c'est trop intense pour vous. Dans ce cas-là, gardez bien les fessiers alignés avec les épaules. Et on pousse les talons vers l'arrière. Et on va essayer de sentir l'activation de l'intérieur des cuisses. Évidemment, on respire profondément, respiration ujjayi. Ancrez bien aussi le pouce et l'index dans le sol. Sentez que vos mains sont actives, elles ne sont pas à plat plat. Et à la prochaine inspiration, activez Mula Bandha, activez votre ventre et repoussez-vous en chien tête en bas. Et on expire sur place. À l'inspiration, on lève la jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, on prend tout notre temps pour délicatement venir poser le pied droit entre les deux mains. Si c'est un peu difficile pour vous, prenez votre main droite pour vous aider. Et on place la cheville droite sous le genou droit. On vient placer la plante du pied gauche au sol, les orteils à 45 degrés. On joint les paumes de main et on vient en guerrier 1. Virabhadrasana. Fléchissez bien la jambe avant, regardez vers le ciel si c'est ok pour votre nuque, relâchez les épaules. Et évidemment, ici, on va venir porter toute notre attention sur les pieds, sur les jambes, donc l'ancrage des pieds dans le sol, surtout le pied arrière qui a tendance à se décoller un petit peu dans la posture. Donc essayez de bien ancrer le bord extérieur du pied gauche dans le sol. Respirez bien. Profonde inspiration, on se grandit. Et à l'expiration, on ouvre les hanches et on vient en guerrier 2, Virabhadrasana 2. Toujours la jambe droite bien fléchie, on va cette fois-ci ouvrir les hanches, ramener le genou droit vers l'extérieur, donc de là où vous êtes, vous pouvez voir votre gros orteil droit. Ouvrez le dos, créez de l'espace dans le dos, solidement ancré, enraciné. Et on respire. Activez bien votre fesse gauche. Ça va vous aider à maintenir la posture. Fessiers qu'on a souvent tendance à oublier en yoga. Et pourtant, c'est des muscles qui sont hyper importants, hyper puissants. Dernière profonde inspiration.
Et à l'expiration, on place les mains au sol. Et on revient en chien tête en bas. On prend une inspiration ici. Et une expiration. Même chose à gauche, inspire jambe gauche vers le ciel. Et à l'expiration, en prenant tout notre temps, on va ramener délicatement le pied gauche entre les deux mains, jusqu'à ce que la cheville gauche se trouve sous le genou gauche. On pose le talon droit au sol, les orteils du pied droit à 45 degrés. Et sur une inspiration, on joint les paumes de main au-dessus de la tête, on ramène le buste face à la jambe gauche pour venir en guerrier 1. Ancrez bien les deux pieds dans le sol. À chaque expiration, sentez que vous êtes stable, que vos jambes sont actives, l'intérieur des cuisses est actif, la fesse droite est active. Profonde inspiration se grandit. Et à l'expiration, on ouvre les bras et on vient en guerrier 2, Virabhadrasana. Le dos ouvert, large, les hanches ouvertes, fesse droite active. Sentez votre enracinement, votre ancrage dans le sol. Les pieds actifs, mais pas crispés. Dernière inspiration. Et à l'expiration, on ramène les mains au sol. Et on revient en chien tête en bas. On prend une inspiration ici. À l'expiration, on vient en planche. On prend une inspiration ici. Et à l'expiration, on va déposer le ventre au sol. Donc soit en posant les genoux au sol, soit en contrôlant la descente simplement avec les bras. On pose le ventre au sol. Et on vient placer les mains à l'avant du buste, paume de main au sol. Et on va de nouveau penser à notre ancrage et ici à l'ancrage du pubis dans le sol. Donc activez vos fessiers. Sentez qu'il y a de l'énergie au niveau des fessiers, du bas du dos. Ancrez le pubis dans le sol et à l'inspiration, on pousse dans les mains pour redresser le buste. Donc on garde le pubis au sol. Vous pouvez garder les bras fléchis si c'est trop intense pour votre dos, évidemment. Vous voyez. Et on va essayer d'éloigner les épaules des oreilles. De se grandir. À chaque inspiration, on se grandit un peu plus. On ne casse pas la nuque, on essaie de garder la nuque longue. Dernière inspiration. Grandissez-vous et à l'expiration, on relâche le ventre au sol. On va venir poser les mains l'une sur l'autre et relâcher le front sur le dos des mains. Vous pouvez joindre les gros orteils. Et relâchez les talons vers l'extérieur. Relâchez les épaules. Relâchez tout le corps sur la terre. Et pendant un instant ici, imaginez que vous vous trouvez dans un sillon creusé dans la terre. Et que vous pouvez relâcher tout votre corps dans ce sillon, sur les genoux de la terre. Une profonde inspiration. Profonde expiration, on vient placer les mains sous les épaules. Et à l'inspiration, on se repousse à quatre pattes. On croise les tibias et on allonge les jambes devant nous pour Janu Shirshasana et ses variations. Donc on allonge la jambe gauche devant nous. Et on vient placer la plante du pied droit sur la cuisse gauche. Donc la plante du pied droit est bien fléchie, bien active. Le pied est paraplat. C'est aussi un travail de la cheville. On ramène les hanches face à la jambe gauche et on place les mains sur le tibia. Donc si vous partez vers l'arrière, placez une brique sous vos fessiers pour vous aider. Et vous pouvez vous aider d'une sangle également si vraiment vous avez du mal à ramener le ventre vers les cuisses si le dos part vers l'arrière. Grande inspiration, se grandit et à l'expiration, on plonge vers la jambe gauche en ramenant le buste vers la cuisse gauche. Vous pouvez attraper ce que vous pouvez, soit le mollet,
soit le bord extérieur des pieds avec les mains, soit crochetez vos mains à l'arrière du pied gauche. Continuez à bien activer votre cheville droite, toujours par un plat plat. Et en même temps, on va essayer de ramener doucement le genou droit vers le sol. Chaque inspiration, grandissez-vous. Et à l'inspiration, on redresse le buste et on change de côté. Cheville gauche contre cuisse droite, on fléchit la cheville droite. On tourne le buste et les hanches face à la jambe droite. Grande inspiration, on se grandit et à l'expiration, on plonge en avant. On attrape ce qu'on peut attraper, on garde bien la cheville gauche active. On se grandit sur les inspirations, on sent l'ancrage de la jambe droite dans le sol à chaque expiration. Comme si la jambe droite avait des petites racines dans la terre. Restez avec le souffle. Et l'inspiration, on redresse le buste. On change de côté, on revient à droite. Et alors, vous avez le choix soit de refaire Janushirshasana qu'on vient de faire, travail excellent pour les chevilles, un travail encore plus intense pour les chevilles, c'est Janushirshasana B, où en fait, on va ramener, je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez, en fait, on va ramener, donc on a aussi le pied droit contre, enfin pas contre la cuisse, mais à 90 degrés, sauf que là, on va essayer de ramener la plante, le dos du pied droit sur le sol, donc plante du pied vers le ciel. Et une fois qu'on est là, on va soulever les fessiers et on va venir s'asseoir sur le périnée en ramenant le genou droit à 90 degrés. Donc on est dans la même posture que Janushirshasana A, comme ceci, sauf que le pied est dans une position complètement différente. Plante de pied vers le ciel, dos du pied au sol et le talon au niveau de Mula Bandha. Mula Bandha, le verrou racine. Donc, on place notre pied, on soulève les fessiers, on vient placer le talon entre le périnée et l'anus, on fléchit la jambe gauche, grande inspiration, et à l'expiration, on plonge en avant. Donc, n'hésitez pas, si c'est trop intense pour votre cheville droite, à refaire la version de Janushirshasana qu'on a fait juste avant. Et tant qu'on y est, puisque le talon vient appuyer sur cette zone qui est Mula Bandha, et bien je vais vous inviter à activer cette zone entre le périnée et l'anus. Et insistez encore plus sur les expirations, sur cette, rendez cette activation encore plus intense sur les expirations. L'inspiration, on redresse le buste. On soulève les fessiers en s'appuyant sur les mains. Vous pouvez allonger la jambe droite, faire des petits cercles ou faire rouler votre talon pour soulager le pied droit. On change de côté, pied gauche. Donc, on ramène le dos du pied gauche au sol. On essaie de garder le pied, à 90 degrés. On soulève les fessiers, on vient s'asseoir sur le talon et on allonge la jambe droite devant soi. Grande inspiration, se grandit et à l'expiration, on plonge en avant sur la jambe droite. Sur les inspirations, grandissez-vous. Sur les expirations, relâchez les tensions au niveau des épaules, des traits du visage. Et à nouveau, activez Mula Bandha. Sur une inspiration, vous pourrez redresser le buste, faire rouler le talon gauche pour soulager la cheville gauche. Et on va prendre nos deux briques.
Alors, je vous ai dit de prendre deux briques. Ça dépend un petit peu de la taille de vos briques à la maison. Vous verrez en fonction de ce qui se passe pour vous dans votre corps. Donc, on va prendre les deux briques et on va venir placer le sacrum, le bas du dos, sur les deux briques. Et on va allonger le dos au sol. Donc, n'hésitez pas à replacer un peu les briques jusqu'à ce que vous sentiez qu'elles sont bien au niveau du sacrum, donc ce petit os triangle en bas de la colonne vertébrale. Et on va allonger les jambes devant nous, les chevilles fléchies. Donc si c'est trop intense pour votre dos, enlevez une brique, faites l'exercice avec une seule brique. On prend un instant ici pour bien essayer de tendre les jambes, on vient étirer les psoas, ça aussi crée une pression au niveau du sacrum, donc mettre un petit peu d'énergie au niveau du sacrum. Fléchissez bien les chevilles. Et en activant bien la fesse gauche, on va fléchir la jambe droite tout en gardant la cheville droite fléchie. Et vous pouvez soit rester ici, en ramenant, en plaçant vos mains sous votre genou droit et en ramenant votre cuisse droite vers votre ventre, soit allonger la jambe droite vers le ciel et attraper l'arrière de la cuisse droite avec vos deux mains. Donc ici, c'est plus une question de sensation que de ce que vous pouvez, vous voulez faire. Essayez de sentir ce qui va faire du bien à vos ligaments sacro-iliaques. À vos psoas, au bas de votre corps. Dernière inspiration ici. Et à l'expiration, on change de côté. Vous pouvez allonger la jambe droite devant vous, fléchir la cheville et ramenez la cuisse gauche vers vous, placez les mains sous le genou gauche et ramenez la cuisse gauche vers vous. Ou alors, crochetez les doigts à l'arrière de la cuisse et levez la jambe gauche vers le ciel. Pas la peine qu'elle se tende complètement. Hein. Mais une fois plus, je vous invite à explorer les sensations et à voir ce qui vous semble plus adapté pour le bas de votre corps ici. Et là, je choisis l'option jambe fléchie. Que je sens que ça fait beaucoup de bien à mon psoas droit et à ma jambe droite. Dernière inspiration. Et à l'expiration, vous pourrez replacer les deux pieds, plantes de pied au sol, éventuellement réajuster vos briques. Vous pouvez changer aussi, hein, si c'était trop intense avec deux briques pour la suite, vous pouvez enlever une brique, évidemment, ou au contraire en rajouter une, c'est vous qui voyez. Et on va faire une variation de la chandelle en ramenant les deux jambes vers le ciel, les bras le long du corps, paumes de main tournées vers le ciel. Donc, n'hésitez pas à modifier vos briques ici, si vous sentez que c'est trop intense pour votre dos, pour votre sacrum. Changez et enlevez une brique. On va rester ici un instant. Donc là aussi, l'important, ce n'est pas de tendre les jambes. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de tension au niveau des jambes, qu'elles puissent se maintenir vers le ciel sans effort. Donc, vous pouvez tout à fait les garder fléchis. Et l'intention aussi, c'est vraiment de mettre du poids au niveau du sacrum. Vous devez le sentir, a priori, qu'il y a pas mal de poids sur le sacrum. Donc, l'idée, c'est de sentir ça aussi, de sentir qu'on vient mettre un accent là sur le bas du dos. Donc, dans la tradition tantrique, là, cette zone-là du sacrum, du bas de la colonne vertébrale, c'est là où se loge la Shakti, ou la Kundalini, qui est l'énergie qui peut remonter à travers les nadis, peut remonter à travers les canaux énergétiques, jusqu'au centre du cerveau, jusqu'au centre de la tête, où se trouve le bindu.
Et quand cette énergie se réveille et qu'elle traverse la Sushumna, donc ce canal énergétique, jusqu'au cerveau, ben, on dit que on peut trouver l'illumination. Donc c'est une pratique qu'on connaît bien en Kundalini Yoga, l'éveil de la Kundalini. Cette énergie sous forme de serpent qui est levée au bas de la colonne vertébrale. Et vous pourrez relâcher les pieds au sol, soulever les fessiers, enlever les briques et relâcher le dos au sol, vertèbre par vertèbre. Et pendant un instant, vous pouvez placer vos mains sur votre bas-ventre, les genoux vers le ciel. Et pendant un instant, je vais vous inviter à juste sentir votre dos couler sur la terre. Sentir la différence de sensation entre la posture juste avant et la posture où vous vous trouvez maintenant. Et vous pourrez ramener les cuisses sur le ventre, vous balancer de droite à gauche. Avant de vous allonger sur le dos pour la relaxation Shavasana, n'hésitez pas à rajouter des supports pour être plus confortable ici. Peut-être un coussin sous vos cuisses. Coussin sous la tête, une couverture pour vous couvrir, bref, petit coussin pour les yeux, tiens tant qu'on y est. Et je vous invite ici à fermer les yeux, à relâcher le souffle. Et venir observer comment votre sacrum est lourd, tout le bas de votre corps est lourd, tout le corps est lourd, tout le corps est lourd et enraciné, tout le corps s'enfonce dans la terre, s'enracine profondément dans la terre. Donc comme je vous disais en début de séance, Mooladhara Chakra est le chakra qui nous relie à nos besoins fondamentaux, notre besoin de sécurité. Et ça passe notamment par la sécurité matérielle. Donc au niveau tamasique, quand le chakra Mooladhara est complètement bloqué, on est en proie à beaucoup d'anxiété, sentiments d'insécurité, notamment liés au bien matériel, insécurité au niveau de l'argent, au niveau de l'avenir. Et quand on est vraiment, quand ce moula, ce chakra est complètement arrêté dans le tamas, on passe son temps à essayer d'accumuler les biens matériels, l'argent, ou au contraire à avoir peur à ce propos. Quand ce chakra tourne un petit peu plus, les rajastiques, on prête autant de l'attention au bien matériel, mais ce sera un peu plus altruiste, entre guillemets, parce qu'on va plus avoir besoin de sécurité matérielle pour sa famille, pour son entourage. On va avoir besoin de s'accomplir au niveau professionnel, d'être, d'avoir une place dans la société. Et à niveau sattvique, quand ce chakra est dépassé tous ces stades, le seul but de la personne, c'est le bénéfice matériel de toutes les personnes, que les biens matériels bénéficient à tous et à toutes.
Donc, je vais à présent chanter le mantra LAM avec un L qui est le son qui est lié au chakra Muladhara en Hatha Yoga. Donc vous pouvez soit chanter avec moi, soit faire pour les hommes. Ouh là là, j'arrive pas à faire plus bas, mais vous pouvez aussi fredonner plus bas. Et vous pouvez aussi simplement vous laisser envelopper par le son LAM. Tranquillement, vous pourrez reprendre contact avec votre respiration. Avec votre corps. Vous pourrez rouler sur le côté en chien de fusil. Restez là encore un instant, les yeux fermés. Avant de venir vous asseoir sur votre tapis. On va terminer avec Prithvi Mudra, que vous avez déjà pratiqué si vous avez fait la méditation avec moi. On vient placer l'ongle de l'annulaire sur la pulpe du pouce et on tend les autres doigts. Donc Prithvi Mudra, c'est le mudra de la terre. Une fois que vous avez placé le mudra au niveau de vos deux mains, vous pouvez placer le dos des mains sur vos cuisses, fermer les yeux. Venir placer votre attention au niveau de Muladhara Chakra. De votre racine entre le périnée et l'anus.
Laissez émerger ici un sentiment de stabilité, d'enracinement, d'ancrage, de solidité. Loka, Samasta, Sukhino, Bhavantu. Puissent tous les êtres vivants aller en paix et être heureux, et puisse notre pratique servir ce but. Merci pour votre présence et votre ancrage. Je vous invite également à regarder ma petite vidéo sur les petits exercices que vous pouvez faire en lien avec Mooladhara Chakra. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de continuer ce voyage des chakras et donc de me retrouver pour Svadhisthana Chakra, le chakra qui se trouve au niveau des hanches. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. On se retrouve pour le deuxième jour. Namasté!